Salut les tubos, c'est Grand Miam, bienvenue dans cette nouvelle interface que je vous propose et aujourd'hui je vous propose aussi de découvrir Sunset Overdrive. Alors Sunset Overdrive c'est un jeu des studios Microsoft qui était sorti à l'époque sur, je crois que c'était sur Xbox 360. Un mélange super bizarre de ouf entre arcade, shoot, bref, super plateforme, un peu, enfin, un gros mélange hyper coloré, limite cel shading, limite, hein, je dis bien. Vous allez voir comment il fonctionne sur le Steam Deck. On peut grinder, on peut sauter dans tous les sens, on peut faire des tas de choses. C'est un truc de ouf. Il y a plein d'ennemis, il y a des monstres qui se sont transformés à cause d'une boisson énergisante. Enfin bon, bref, c'est un truc de complètement barré. Et voyez, regardez, on peut sauter super haut. La ville, elle est gigantesque. Encore une fois, je crois que c'est Sunset City, il me semble que ça s'appelle. Et en fait, voilà, vous pouvez tuer des ennemis comme ça. Oh. On peut grinder comme ça. Il y a des gros boss de ouf et tout. Alors, on va déjà voir ensemble hein, ce que ça donne. Donc, je suis pas en mode docké, mais juste en mode HDMI. Donc, elle n'est pas branchée au secteur, la console. Vous avez d'ailleurs la preuve sur l'overlay, de toute façon. Et puis, on va aller tout de suite dans les paramètres. Alors moi je l'ai débloqué, je suis sur désactiver et j'ai activé la synchro verticale pour ce jeu. Pourquoi? Parce que c'est très curieux, vous allez voir dans les menus. J'arrive pas à afficher du 800p. Donc si vous avez une référence ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais moi je suis entre 768 et 900p. Je pense que ça doit être la résolution native du jeu. Donc voilà. En mode d'affichage, je suis en fenêtré parce que j'ai de meilleures perfs en fenêtré. C'est ça qui est très curieux sur le Steam Deck en fait. C'est pour ça que je vous dis que c'est une console de bidouilleur parce qu'en fait, il faut bidouiller un peu dans les paramètres de la console, paramètres des jeux. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. C'est pas du plug and play, vous voyez. C'est pas comme par exemple vous lancez un jeu sur la Switch ou sur la PS5. Sur la Switch, vous allez avoir qu'un mode de jeu. Donc ça va se lancer direct. Sur la PS5 et Xbox Series X, ça va être un peu plus... Bon, vous allez avoir, disons, 2 à 3 choix. Hein, performance RT et puis fidélité. Mais c'est du plug and play. Vous appuyez, vous n'avez pas de choses à faire. Là, c'est comme un PC. Donc, il y a des choses à faire. Voilà. N'en déplaise à certains. Alors là, j'ai une mission à faire. Je dois aller... j'ai plusieurs armes. Je dois aller... Alors, je sais qu'il faut pas que je reste... Oh, il me reste plus beaucoup de munitions. Alors, je crois que j'ai un autre gun. Voilà, pièce de cuve, 2 sur 5. Hey, je crois que t'as oublié quelques pièces là-bas. Bah ouais, mais où ça? Dis-moi, garçon. Voilà, là, il y en a. Voilà, c'est bon, j'ai les 5. Et en fait, vous avez des objectifs comme ça. Et franchement, c'est un truc de ouf. On grind comme ça. Tu peux donner aussi des... Oh yes. Et en fait, ils se gavent là de boissons. Voilà, les monstres, ils se gavent de boissons. Et... Oh. Pompeur. Il y a des boss de ouf dans ce jeu aussi.
Merde. Merde. J'ai plus de munitions. Merde. Voilà, vous pouvez rebondir sur les... Oh la vache. Ils sont juste un peu ouf là. Vous avez vu un peu la folie furieuse. Il y a du monde à l'écran, on est à 60 images secondes, c'est franchement nickel. Alors le jeu, évidemment, il date un petit peu, bah oui, bien sûr, vous vous doutez bien, mais c'est de la folie, quoi. Ouhouhou! Je vais essayer de prendre de la vie, hein, un petit peu entre-temps. Je vais essayer de foncer, voilà, je peux foncer un peu plus. Voilà, j'ai tout récupéré. Rentre chez ta mère, toi. Bien, reviens à la distillerie. Allez, je retourne à la distillerie. Allez, je vais prendre un petit... Oh, vous voyez, vous pouvez aussi... Oh. N'importe quoi. Je fais n'importe quoi, non. Et en fait, vous pouvez l'aborder bah, comme vous voulez, en fait. Voilà. Eh, pas mal le jeu quand même, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement. Alors après, c'est un jeu barré, faut aimer, hein. Mais c'est un jeu qui est fun à jouer, franchement. Ouais, allez. Voilà, allez, on va lui donner les pièces comme ça. En même temps, ça va permettre de, bah, d'acheter des nouvelles armes, hein, si j'ai besoin, par exemple. Voilà. Et c'est des armes un petit peu de folie, quoi. Vous lancez des disques, il y a des trucs de fou, quoi. C'est vraiment un truc de taré. Et regardez-moi ça, comment il est beau, le jeu. Non, mais regardez ça, comment il est beau. C'est un truc de fou. Le jeu est vraiment terrible. Même s'il est vieux, franchement, il est terrible. Et sur du 800p, 700... 7 pouces, pardon. Oh, attends, il est où l'autre? J'ai pas bien suivi. Ok. Voilà. Alors au début, vous avez un petit didacticiel hein, qui vous montre un petit peu comment faire, etc. Puis après, ça va tout seul. Hein. Après, vous avez des hordes de monstres et tout qui vous sautent dessus et tout. Putain, c'est un truc de malade. C'est vraiment un truc de malade, ce jeu, en fait. Ça me fait penser à des jeux de l'époque Sega, Crazy Taxi, Scud Race et tout. Vous savez, c'est des jeux qui ont rien à voir, mais je veux dire, Die Hard. Vous voyez, des jeux d'action type arcade. Qui était ouf, quoi. Voilà. Il y a plusieurs catégories de rush. Choisis l'emplacement de rush héroïque pour ton nouveau rush. Ok. Le rush héroïque. Effectue une roulade au milieu des ennemis, les fait tomber et leur inflige des dégâts. Bon, bah voilà, vous pouvez équiper comme ça au fur et à mesure votre
personnage et ça vous aide en fait à... Ah oui. Celle-ci, je pense. Ah non, ok. D'accord, ok. Bon. Ok, ça marche. Ok. Ok, la jauge de style. Et en fait, c'est ultra complet. En fait, on croirait que c'est un truc super simpliste au départ. Mais franchement, c'est nickel. Ah, alors là, par contre, faut pas que. Faut que... Allez, faut que je grave. Faut que je ride, ride, ride. Que je rebondisse sur les bagnoles pour augmenter mon. Et voilà, regardez, boum! Ah! Voilà, nickel! Et on est toujours à 60 images secondes. Allez, on rebondit, on rebondit, on rebondit. Vous avez vu le monde qui est à l'écran là, sans déconner là? Regardez-moi ça là. Oh la vache! C'est un truc de fou. C'est un truc, c'est de la folie furieuse ce jeu. C'est un truc de taré. Pff. Et quand vous êtes dans le feu de l'action, je vous assure, c'est un truc de malade. Hein. C'est un truc. Regardez, j'ai un tourne-disque. Encore une fois, c'est joli, c'est propre. Et c'est nickel, c'est nickel. Et ça, c'est un pur plaisir en fait d'avoir un Steam Deck aussi pour pouvoir rejouer à d'anciens jeux. Alors bien sûr, les AAA tournent moins bien, évidemment, puisque voilà, ils demandent plus de ressources. Donc ça passe, le Hogwarts Legacy, eh bien, il passe à 30 images secondes, ce qui est franchement une belle prouesse déjà. Franchement, c'est un truc de ouf entre nous. Mais, et puis, il y a plein d'autres jeux aussi, AAA, qui passent vraiment franchement bien. Alors, on peut... Hop, on peut aller voir le gars, là, maintenant. Floyd, je crois qu'il s'appelle Floyd. Si je prépare ça, c'est pour faire de nouveaux rushs. Et crois-moi, tu vas avoir besoin de nouveaux rushs. Ah, grave. Bon, t'as compris? Dès l'instant où je vais commencer à préparer, les overdosés vont rappliquer. Le plus important, les overdosés. C'est que tu tiennes tes emplois à l'écart des cuves. Si tu échoues, t'en fais pas. C'est l'apocalypse. T'auras toujours une deuxième chance. Bon, bah ça va alors. Bah ouais, ah c'est bien ça qu'il le rappelle comme ça qu'on est dans un jeu vidéo, voilà, c'est pour les plus jeunes aussi ça. Ça rappelle que dans la vraie vie on meurt, voilà on meurt. Donc c'est plutôt cool ce qu'ils ont fait, surtout pour les plus jeunes qui jouent. Ok, vas-y. Hop, faut que je tourne la vanne moi-même. Ah ouais, il est pas foutu de tourner la vanne lui. Toujours moi qui suis... Ah ouais, bah ouais. Ouh là là. Attention. Oh, l'entrée, mon gars. Hey, les vêtements, ça claque, non? Nickel. Ah, la gueule.
Ah, ils sortent tous là, des poubelles, des caves, des égouts. Là, ça sort de partout. Ils sont ignobles. Dire que c'était des humains, putain. Là, vous allez voir, hein. Il y a du monde à l'écran et ça va pas souffrir. Merde. Bah ouais, mais attends, mon gars. Oh merde. Tiens, je vous défonce. Oh. Oh. Oh merde. Pourquoi de nuit? Pourquoi t'es obligé de... Bah ouais, c'est clair. Ah tiens, tu m'étonnes. Oh putain. Erker. Erker le meilleur. Allez, vas-y. Oh là là. Ah ouais, tiens, tu m'étonnes. Oh vache, putain. Oh la vache. Ça défonce grave. Ah la vache. Yes. Allez, grand nettoyage, mission accomplie. Ouais. Allez, laissez-moi ramasser tout ça là. Bon, voilà les tubos, hein. Je crois que le jeu est plutôt pas mal. Je me suis laissé un petit peu emporter. Mais le jeu est vraiment super sympa, c'est cool, c'est tranquille. Et là, c'est qu'une partie du didacticiel, on va dire. Donc franchement, je vous invite à jouer à ce jeu-là. Il est vraiment pas cher. Vous le trouvez notamment sur, sur Instant Gaming, super pas cher. Et des fois sur, sur le site de Steam.
Mais encore une fois, voilà, c'est un jeu qui est génial à retrouver sur Steam Deck, pardon, et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Voilà les tubos, donc comme d'habitude, n'hésitez pas, vous pouvez liker, vous abonner et activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties de vidéos. Et puis nous rejoindre bien sûr sur tous les réseaux sociaux et bien sûr le site internet Puissance Steam Deck qui fait office de référencement de performance en jeu que je vous invite à remplir ou à consulter même. Voilà, donc je vous dis à la prochaine les tubos. Ciao, ciao!